Et bonjour à toutes et à tous, c'est Vitam 65 et on se retrouve pour l'épisode 36, Dogworld Legacy, l'héritage de Poudlard, l'héritage d'Elena McLutini. Dans cet épisode précédent, donc on avait fait la quête de Natsai, on a commencé la quête de Sébastien, et on va la continuer du coup début de cet épisode-ci, qui va du coup nous apprendre ou pas, si on décide de ne pas le prendre, en Doloris, normalement. Mais je crois qu'on va le prendre quand même. On parlait des sifflements. Ah, la tu... voix est ancienne. Tu entends une voix? Ça a commencé quand tu as réparé le relief. Je parle fourche-langue. J'aimerais bien pouvoir parler. Il vaut peut-être... On l'a vu, hein, à la fin de l'épisode précédent, donc... Pas du Nous tout. Nous n'avons aucune ouais. raison d'être. Quelle ironie. Je n'arrive pas à croire que je fais ça. Allez, vas-y, vas-y. Ça a marché? Ominis, tu possèdes une capacité rare. Et vous deux, je commence à me sentir exclu. Nous deux? Je... Peu importe. Tant pis. Sois exclu. Ah, il y a un drink. J'ignore par où passer. Comme un labyrinthe. Je sais pas où il est, mais il y a un drink. Vous voulez sûrement que ce soit difficile. La porte par où nous sommes passés est fermée. D'autres portes nous attendent. Examine attentivement chaque porte pour trouver des indices. Ok, ça va pas s'ouvrir. Le cadran exige de la concentration. Le temple Noctua a dit la même chose. Il faut sûrement s'entraîner un peu avant. Aïe! Ça fait peur ce con! Ok, donc c'est le rond et le serpent. Je sais pas qu'il pouvait m'attaquer lui. Ça s'est ouvert en associant les symboles. C'est ce que je comptais faire, mais je m'advançais. Beau travail. Un ring ring. Confringo. Ah merci. Je vais te faire un lumos aussi parce que on y voit comme une. D'ailleurs vous, je vais vous mettre les gammas. On y voit pas mieux. On y voit même pire. Hop. Bon, mais je réglerai ce problème plus tard. On va mettre un petit lumos. Ça ira mieux avec lumos. Lumos. Ok, ça c'est derrière. D'accord. Donc là, on a un serpent à régler. Ah, j'ai joué sur le cadran, il s'est jeté sur moi comme, comme un vrai serpent. Et je dois trouver un moyen d'avancer pour le statut, pour le salut pardon, de ma famille. Les enfants ne devraient pas avoir à suivre de vieilles traditions. Ce scriptorium devrait contenir la preuve que notre héritage est bien plus grand qu'il n'y paraît. Donc c'est noctu encore. Ominis, ta tante voulait changer les traditions de ta famille. Oui, et c'est pour cette raison que je l'adorais. Donc, il faut que je regarde la porte à ouvrir. C'est laquelle, c'est celle-là? Alors ça ressemble à, je sais pas, un Oméga ou je sais pas, et un Alpha en bas, ok. Allons voir. C'est d'ailleurs Serpentard a enfoui ce scriptorium profondément sous Poudlard. J'ai peur de perdre mon chemin dans ces couloirs obscurs. J'ai beau être une descendante, je ne me sens pas la bienvenue. Allumer ses bras zéro dans le couloir m'aide beaucoup. Je vais me montrer forte. J'avancerai en relevant chaque défi, l'un après l'autre. Cet extrait de journal, il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu. Un autre portail. Serpentard était plutôt joueur. Je vais essayer celui-là. Tiens-toi dans une glace, Sébastien. Et celui-là.
C'est prometteur. Encore un cadran résolu. Impressionnant. Excellent travail. Lumos. Vraiment, je vous règle ce problème. Extraordinaire ce voyage périlleux, mais si enrichissant. Je trouverai bientôt le scriptorium et je lèverai le voile sur les mystères entourant le fondateur de notre maison, Salazar Serpentard. Notre maison, j'avais pas eu le point. Fondateur de notre maison. Salazar Serpentard avait de grands projets pour nous, j'en suis sûr. Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles, mais aussi des récompenses. Lumos. Douloureux, c'est ce qui m'inquiète. Tout ce que j'ai entendu, c'est récompense. On doit continuer. Alors, un genre de triangle et un rond avec deux bords sur le côté. Il faut que j'aille de l'autre côté. Je reviens, les gars. Attendez. Encore. Alors, un genre de triangle. Voilà. Et ça, voilà. Très bon travail. On se rapproche du scriptorium. Oui, quand même bosser un peu. Hein. C'est toi qui veux qu'on aille là, Sébastien. Je vois quelque chose là-bas. C'est troublant. Cet endroit est vraiment troublant. Mais nous devons continuer. Pour maintenant. Ouh, c'est lui tout seul. La porte. Je crois que nous sommes de nouveau bloqués. Crucio. Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous. Un drink quelque part. Ah, j'ai perdu espoir, je suis coincé. J'ai entendu un cri et j'ai vu les visages tourmentés. Le seul moyen d'avancer est de lancer un sortilège impardonnable. Même si je voulais en lancer un, je n'ai personne sur qui le faire. Salazar Serpentard a mis au point une épreuve particulièrement odieuse. Dans ma dernière lettre à mon frère, je l'invite à venir. S'il vient à moi tout seul, il sera condamné. Malgré mon indifférence, je ne lui veux aucun mal. J'aurais aimé que l'on se quitte en meilleurs termes. Noctua. Ominis, un squelette. Et le dernier extrait du journal de Noctua. Elle dit qu'elle était piégée ici par un sortilège impardonnable. T'as vu le squelette ? C'est ici qu'elle est morte. Et c'est ici que nous mourrons. Je n'aurais jamais dû vous écouter. Ominis. Ouais, c'est vers là-bas. Je suis sincèrement désolé pour ta tante. Mais je sais quoi faire. Ce sera difficile. Vas-y. Tu as dit que tu savais quoi faire. Bah oui. Les visages torturés sur la porte et le mot Andoloris gravé dans la pierre. Je pense que si on lance le sortilège Doloris, la porte s'ouvrira. C'est pour ça que Noctua est morte. Elle n'a pu lancer le sort sur personne. Ominis a le plus d'expérience. Il devrait le lancer. Ominis semble prêt à t'écouter. Tu pourrais lui demander. Je veux que tu le fasses. Tu le connais bien mieux que moi. Ouais. Très voilà. Bien. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Si seulement on avait un peu de chance liquide. Ominis. Oh, bonne chance alors. Je sais que c'est la dernière chose que tu souhaites faire. Oui, tu as raison. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Mais cette fois, ce sera différent. La personne à qui tu lanceras ce sort l'aura d'abord accepté. Ce ne sera pas une victime innocente. Nous devons ouvrir la porte. Le sort ne fonctionnera pas l'accepter, si ça, rien. Comme tous les sortilèges impardonnables. Si ce doit être fait, l'un de vous doit le faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ominis n'acceptera pas de lancer le sortilège de Loris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. Oui, enfin, c'est quand même un sort impardonnable. Je peux t'apprendre Andoloris, ou bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer Andoloris? Je ne sais pas si c'est le cas. Ominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gaunt. Je pense pouvoir le faire, s'il le faut. On va le lancer sur moi. Allez, on va le faire souffrir. Non, il souffre déjà assez. Allez, vas-y. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas sur toi. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Ça va piquer. Oh, on va l'apprendre quand même. On veut connaître tous les sorts, même les impardonnables. C'est bon ?
Je suis prête. Ça va piquer. Non. Ça ravigote. Ça fait bloup. Est-ce que ça va? Cette douleur. Oh, ça pique un peu, mais bon. Ah oui, quand même, j'ai pris cher. Je m'en remettrai. Continuons. On a réussi. Alors, le scriptorium de Salazar Serpentard, une pièce secrète et bien protégée sous Poudlard où Salazar Serpentard semble avoir passé du temps à élaborer divers plans à long terme concernant les élèves et à réfléchir aux désaccords qu'il avait avec les autres fondateurs. L'homme de Salazar Serpentard. Je n'arrive pas à y croire. Eh ben moi non plus, parce que ça pique hein. Là il y a une lettre. Ah, on a un truc de téléport pas loin. Il y a quelque chose, livre de sort de Serpentard, vas-y. Sébastien, Hominis, il y a un livre, juste ici. Tu as trouvé quelque chose? Vous deux, allez-y, et dites-moi ce qu'il y a dedans. Je vais explorer ouais. Les environs. Bah moi je vais dire. Non, je vais dire. Je crains que nous ne parvenions jamais à un accord. Je n'arrive pas à ramener un seul d'entre eux à la raison. J'espérais que l'opinion de Godric serait proche de la mienne, qu'il comprendrait pourquoi il fallait des élèves de qualité. Mais il s'est mis à croire la théorie ridicule qui voudrait que les Némoldus soient aussi capables que les sorciers de sang pur. Il s'est énervé quand je lui ai exposé mes réserves sur la question, alors qu'il ne l'avait jamais fait. Alors qu'il ne l'avait jamais abordé auparavant. Je suis là de ce conflit, et je ne peux plus supporter de voir ces couloirs remplis d'enfants inaptes qui se font passer pour des sorcières et sorciers. C'est avec le cœur lourd que j'ai réalisé que je devais partir. Je placerai la créature dans un état de sommeil profond, isolé dans l'attente d'être réveillé par une personne qui partage mes opinions. Un descendant qui se portera volontaire pour corriger les erreurs que les autres ont si négligemment commises. Il débarrassera Poudlard de ceux qui en sont indignes et qui ne font que souiller mon héritage. Il doit parler de du basilic. La chambre des secrets, quoi. Tiens, Sébastien, il y a un livre. On dirait une sorte de livre de sort. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Ah bah t'avais qu'à fouiller, tu l'aurais trouvé tout seul. De sa tante et de sa découverte. Que vas-tu faire? Elle l'a jamais vu ça. De Serpentard. Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Mais je ferai ça plus tard. Pour l'instant, explorons cette pièce. C'est fait. C'est époustouflant. Le café qui date de... Je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenu. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Ok, donc c'est pour se retourner au cachot des Serpentards. Allez, allons-y. J'ai tout fouillé aussi bien. Je vois la sortie. Je vous aviez la porte dès le début. Enfin, une bonne nouvelle. Hominis, au sujet de ta tante. Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. T'as raison. Je suis sincèrement désolé pour ta tante, Hominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Andoloris, je pourrais les mettre où? Je pourrais les mettre là. Enfin, Andoloris, je pourrais les mettre là. Yep. En 8. Ça pourrait être utile. Hein. Oh bah voilà. Ça s'est fait bien fait, j'ai envie de dire. Et voir qu'est-ce qu'on a eu. Que du nul, c'est nul. Ouais, tout est nul.
Alors, voyons voir les quêtes. Du coup, on reste sur droit chemin. Du coup, il y a la clé du dédale, mais la clé du dédale, je sais pas où elle est la dernière. Lunettes meilleures que les miennes. Hop. Bah, j'ai plus le bouquin. C'était le bouquin, je pense. Et tout, il y en a eu le 5 aussi. Je pourrais y aller le 5, on a eu pourtant le 5. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai 2 points de talent. Fixe et magnifique un maléfice sur les ennemis. Ouais, ça peut être pas mal, maléfice sanglant. Ça peut être pas mal ça. Ouais, et désarmement, ça file à maléfice. Maléfice dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Maîtrise en dehors, il se touche un ennemi maudit. Libère un projectile. Et c'était celui-là où. Visez dégâts à toutes les cibles maudites. Donc ça, on va le prendre. Et on va prendre. Maîtrise du Andoloris. Comme ça, quand on fait un Andoloris, qu'on attaque celui qui l'a, qui est maudit, hop, on le refile aux autres. Ça peut être plutôt marrant. Bon, bah, du coup, on va faire la quête principale. Hein. On a plus que ça à faire. On peut retourner dans le scriptorium, c'est cool. C'est bon. On est... lui faire grand chose à la porte malheureusement. Non mais c'est bizarre que j'ai pas le 5. Bon c'est pas grave. Entre ouais, il faut vraiment ce gros problème de. Je sais pas pourquoi j'avais pas le. Les gammas comme il fallait pour vous. C'était plutôt sympa d'ailleurs hein, d'avoir les gammas comme il faut. Mais bon. Clé du dédale. Je peux pas voir où elle est. Hein. Juste qu'il m'en manque une, c'est tout. Non. Salle de la carte. Vous feriez bien de ne pas sous-estimer cette jeune personne. Ouais, il faudrait bien ne pas sous-estimer moi. L'aptitude pour la magie dépasse tout ce que j'ai pu voir, et cela fait bien longtemps que j'enseigne. C'est pas gentil de me sous-estimer. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. Quoi? Tu veux qu'on s'engraine? J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrok et lui étaient proches. Mais ils se sont disputés. Pouvons-nous c'est pas son frère, on dirait comme ça. Oui. Je pense que oui. Il avait l'air sincère. Et si Rona Ryan lui fait confiance.
Très bien. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrock ? J'ai récupéré un homme ça, c'est pas sûr. Qu'il espère rendre à Ranrock afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chaud, mais... vous savez bien, professeur. Nous permettra d'en savoir plus sur ça fait 10 jours que je suis dans la forêt. Lodgok a dit que Ranrock cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce homme apportera peut-être des réponses. Ranrock recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rookwood ? Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. D'accord. Et t'as rien vu ? Vous n'avez rien vu ? Vous n'avez parlé à personne ? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. C'est pas bête. Je dois vous informer que Victor Rookwood, votre descendant, est un mage noir, de mèche avec Ranrock. Mon descendant ? Un mage noir ? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rookwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve, ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. D'accord. J'y vais de ce pas. Bonne chance. On va y aller. Ici. C'est gentil. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rookwood. Oui, parce que toi, tu peux transplaner et pas moi. Mais bon, moi, je peux me téléporter. Donc ça va, au final, c'est un peu comme du transplanage, quoi. Alors, le drop good. Avant. Une tête connue. Bien aller faire ça. Avant d'y aller. Je sais pas du tout où elle est là. Épreuve de Merlin. Aïe. Mais ça va le fond du jeu, tu m'as attaqué par derrière. C'est pas gentil. Est-ce possible ? Une épreuve de Merlin ? Ben oui, c'est possible. Ça va être les papillons, les papillons. Lumos. Où sont les autres ? Puis dans cette caverne. Ok. Lumos. Ah, c'est bon, il me suivit. Merlin, Protego. C'est pour annuler le sort. Ça sert à rien, mais bon. Pêche du guide du sorcier. Elle est...
pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnage. Pas les créatures qui manquent. Je vais bien m'amuser. Moi aussi. Voilà, je me suis bien amusé. Œuf de Runespour. Produit par la bouche du serpent à trois têtes, les œufs de Runespour sont connus pour améliorer la vivacité intellectuelle et sont donc souvent utilisés dans les potions. Alors là, par exemple, je peux faire ça. Oups. Pas voulu, mais ça. Oui, tu sais pas d'où ça vient. Ah, c'est vrai. Aïe. Aïe. Vous êtes insortables, les gens. Oh, Tempeste Thorn, ok. On va s'occuper de toi. Attends. Voilà. Un truc à looter là. Oui, on va le récupérer. Gardez un bout de souffle pour Robert. J'en ai marre de l'entendre se plaindre de ses sinus. Un coup d'angle de bout de souffle pourrait dégager un cognard de son pif. D'accord. Je dis. Ouais, des poupoules. Rouge au fond, je sais pas ce que c'est. J'ai un troll, mais je suis pas sûr. Non. Mieux. Ouais, je peux pas appeler mon monture. Pas remonter non plus. Ah, c'est mieux. Pourquoi ça pète, mais c'est pas grave. Attends, ici. Non, pas ici.
Oh, t'es chiant, l'atterrissage est pas possible. C'est bon, je suis atterri. J'ai atterri plutôt. Allez, sortez. Les poupoules, elles sont barrées. Ah, vous prenez la... prenez un bain, les poules ? Non, mais ils tombent pas. C'est là que je veux aller. Voilà. Ah, ok, il y avait un truc là. Incendio. Y'a plus. Pété. Confingo. Deux chats. Action. Wingardium Leviosa. Voilà, fouille le sac. Lâche le sac. Combien de temps va durer l'épreuve? Je sens que du coup, vu que je galère, enfin que je galère, vu que je passe mon temps ici, l'épisode sera un peu plus long que prévu. C'est une potion de Union Well, mais on a déjà tout ce qu'il nous faut, donc c'est bon. Allez, on va arrêter les conneries, hop. Allons là où on doit aller. Château de Rockwood, ok, c'est ici. Un peu loin du château. Tu viens de vivre tes derniers bons moments. D'accord. Ce n'est que l'échauffement. Confringo, Expelliarmus. Baguette. Confringo. C'est bon, je me suis bien échauffé. Tu veux continuer? Ben non, t'es mort. Il y a du monde quand même ici. Je vois du gobelin. Tu as la chance, c'est gentil à toi de passer. Tu prends parole à moi. Hâte que cette journée se termine. Je sais que c'est sort là, c'est peut-être pas mal si sort là. Ça pique. Alors ici il y a une tête connue. Quand on voit une tête de mort, c'est que c'est un... c'est une tête connue. Je m'entends.
C'est un ennemi connu. Bon, il n'y a plus rien. Allez, on va aller on va retourner à la zone de quête parce que je comprends pas pourquoi ça s'est pas déclenché. Pas du tout à côté en fait, c'est pour ça. Voilà, c'est ici. Par ici. Oui, j'arrive. Discret comme hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord ouais, pour passer par un autre c'est chemin. Cool. Allons-y. Tout le monde, ben on est deux. Hein. Si on vote, ça a unanimité, oui. Et tous les deux d'accord, oui, c'est unanime, oui. Tout le monde, quoi. On est deux. Alors, hop, il est là. Pas un truc à looter ici? Non, j'ai déjà looté peut-être. Ah, toi, tu veux passer par un autre chemin, ok, tu veux passer par là. Tu ne peux pas empêcher la révolte de Ranrock. Bah si, je peux, regarde. Je peux, et je dois. Ouais, tu vois, je peux, je le fais, d'ailleurs. Gobelin par gobelin, quoi, mais... Regarde s'il n'y a pas un autre truc. Mais non, il n'y a rien. C'est notre portion. Wingardium Leviosa. Ouais. Voilà, Leviosa. Notre porte d'entrée. Parce que je pensais que t'avais dit dire mais c'est notre porte de sortie. Ah non, c'est notre porte d'entrée là. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser de... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Ah oui, sous tu rigoles. Mais bon, un coup de mouvance. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'il serait bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait compris. Elle est bien votre alliance, hein. Elle est cool. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Mmh. Je vais prendre rendez-vous chez un dentiste. Hein, Ranrock, ce serait bien. Il lui revient voir des gobelins dentistes. Mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Bah oui. Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui. Bah oui. J'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. On est censé être s'infiltrer. Bon, du coup. Bon. Oups. Infiltre. Voilà. Attends, j'ai vu des trucs sympas, prof. Pas aller là-dedans. J'ai là-dedans. Alors, faire gaffe, c'est chaud. Oh. Tu as un dernier message comment ça à se fait passer à ta maman.
C'est ceux qui m'ont fait des... Ça c'est chiant ça quand c'est découvert en scénario. Tu viens de vivre tes derniers bons moments. D'accord. Tu vas regretter d'avoir mis les pieds ici. D'accord. Bon, vous m'avez pas vu. Non, vous m'avez pas vu. Bon, on l'aura pas comme ça, mais. J'irai peut-être après au lard un peu plus tard, histoire de leur rappeler qui on est. À chaque fois, je me fais avoir. Eh ben, c'est compliqué celui-là. Ah mais si c'est effacé. Bon après j'ai assez de pouvoir. Ça sert à rien d'avancer discret quoi, à chaque fois je me fais repérer. Bon, après j'ai réussi à ne pas rester repéré mais bon. Désarmement 3, ouais. Bon, il faut qu'on passe par où? Par là? Ça va être ça. Rien par là. Pas par là, professeur. Je dirais que c'est plutôt par là. Oups. Si je prends pas le bon truc aussi, c'est normal que ça marche pas. D'accord. Hein. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Ah, toi, ça va, toi, tu t'es descendu plus facilement que moi, tiens. Ces symboles sur les murs ont-ils une signification? Oui. Oui, il faut leur tirer dessus. Des symboles similaires. Je dois tous les trouver, puis leur lancer un sort en succession rapide. C'est fait. C'est fait. La cave de Rockwood. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. Sans le gobelin.
c'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok. Ça a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Oui, on peut s'en approcher facilement. J'ai cru voir un chemin par là. Merci ma vision d'aigle. Hein. Plutôt mon réveil ou quoi. C'est pareil. Elle doit être là. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Donc t'es entré, c'est ça? J'ai entendu du bruit, je suis venu. Ok. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Si, c'est possible. Que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Je voudrais d'abord en savoir plus. Hein. Je pense avoir fait mes preuves. Au vu de ce qui s'est passé, vous devriez peut-être tout me dire. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok. J'en ainsi signe. Que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi seulement où aller. Je vous révélerai la voie. Mais le professeur Fig doit partir. Bye bye, professeur. On t'a dit de partir, hein, Fig. Je me joindrai. Ouais, tu voulais dire quelque chose, mais là, je suis occupé, là. Occupé... non. Comme ça. C'est laquelle que je mets? C'est pour aller se coucher. J'enlève ma cape. Hop, là. Ouais, pas mal. On va garder ces lunettes-là. Hein. Pourquoi non, on va avancer masqué. Personne ne me reconnaîtra. Ouais, ça lui fait un style. On va mettre une chapka. Voilà. Je suis masqué, c'est pour éviter que Ranrok me voit. Ranrok ne me reconnaîtra pas. Et les épreuves. Donc, équipement. Je jetterai ça plus tard. Aussi bien, il y a des trucs à découvrir. Celui-là sera peut-être mieux que celui que j'ai. C'est où déjà? Il manque encore un dopou de là. Peste, t'es morte. Allez, on y va. Je vous attendrai dans la salle de la carte. Ok. Eh ben, à plus tard.
Ah, deuxième épreuve. Faut aller par où? Ok. Ah. Ça révèle des choses. D'accord. Ça va le faire les viocés. Possible. Ça fait pas vraiment les viocés, mais bon. Voir si ça marche. Ça ne marche pas, il faut peut-être que je le ramène du coup. Ça marche. Pas si c'était comme ça, mais en tout cas, c'est fait. Et ça me valide pas là-bas, d'accord. Je pensais. Attends, il y a un truc là. Non, il y a rien dans cette salle. Bon. Et là, on va activer ce truc. Ce pilier bloque la route. Je vais devoir le déplacer. D'accord. Wingardium Leviosa. Ah, je peux me servir de lui ici. Tête.
Ok, ah, il est là. Est-ce que... cela... Oui, ça me change quelque chose. Parfait. Là, il y a un truc aussi. Allez, Wingardium. Non, tu veux pas? Ok, attends, faut que je retrouve. Il est où? Il est là. Ok, donc là on est nulle part. Oh yes, un coffre. Il verrouille un coffre. Youhou. Bon, on a tout fait. On a tout fait. Allez, on continue. On a ouvert le chemin, tant mieux. Que on va avoir un peu de soucis. Bonjour. Ça résiste à la douleur, ça. Sans arrêt. Ok. Oui, je vois rien de plus ici. Bon, ben, on va par là alors. Ouh. Un coffre. Je crois que je dois aller à gauche ici. Comment? Oui, tu veux aller là-bas, oui. Mais je voulais voir là ce qu'il y avait. Voilà. Lui, il m'emmènera pas. Mais c'est bon, j'ai créé un pont. Ok. Là, j'ai pas le pont, d'accord. Mais là, j'ai le pont. Enfin, une plateforme, quoi. Ouais, c'est cool. Tu te réveilleras pas, toi non plus.
pas un truc. Mais bon, j'ai envie de casser des trucs, donc voilà. Ok, allez. Bonne nuit. Quoi, hop, on va te poser là. Et on va toucher cette malle, ce truc là, je sais pas quoi. Ah, c'est ici. Une fois que je monte, ok. Par contre, il y a un coffre derrière. Comment l'obtenir ? On a ça maintenant. C'est peut-être quand on sera en haut. D'accord. J'ai compris. C'est chiant par contre de pas les voir. Mets-toi là. Voilà. On va passer sous l'arche. Hop. Oh, il est là-haut. Je l'ai pas fait monter, qu'est-ce qu'il me raconte ? D'accord, tu l'as fait monter très haut en fait. C'est ici normalement que tu te mets, voilà, vers là. C'est censé monter plus haut. Hein. Ah ok, je suis trop près, ok. Je vais mettre un petit peu plus loin. C'est pour ça. Mettre ici. Ah. Ah oui, ça va mieux. Toujours trop haut, mais ça va mieux. Est-il possible de tirer un de ces blocs sous l'arche ? J'ai trouvé. Ouais, tu te mets là.
Voyons ça. Ouais. Logiquement, on devrait avoir le pont pas très très loin. Voilà, c'est parfait. Du coup, non, je peux pas aller. Bon, on va continuer. Hop. Ah, je déteste quand ça fait ça. Oh, de forme, dernier cri. Par là. À mon avis, il va y avoir un combat. Pas avec lui. Avec eux, peut-être. Ouais, je suis à la pancine. Oh, pourquoi il me fait venir là? Bah, c'est la pancine, non? Ok, j'ai récupéré des potions. D'accord, c'est pas encore la pancine, mais je sais pas où je suis là du coup. L'épisode fait déjà 1h10 quasiment. Ah, j'avais dit qu'il serait un peu plus long, hein. J'ai fait de mes pérégrinations tout à l'heure. Tu me fais. Ah, c'est bon, je l'ai. C'était juste pour ça, ok. Faut bien aller par là, du coup. S'il faut passer par la porte, mais c'est bizarre que la porte ne soit pas. J'ai pas vu de. Un F se marquer dessus, mais bon. Je sais que c'était la pancine, mais c'est pas la pancine. Ah, ça c'est ouvert. Oui, c'est le dernier combat. Ok. En plus, avec un. Un machin là, ça va pas être top. On va se garder les trucs. Ok, je vois plus. Si je vois plus. Hop là, voilà, là je vous vois. Un coup je les vois, un coup je les vois plus.
Quelle connerie. Oui, j'ai tout su ou pas? Oui, j'ai tout su. Ah non, pas tous. C'est bon. Après, on est pas mal boosté du fait que j'ai fait toutes les quêtes annexes avant. Donc lui, on l'a eu facilement. Si j'avais pas eu les 4 blocs de magie ancienne, on aurait peut-être pas eu aussi facilement, mais bon. Alors Charles, est-ce que tu m'as laissé des petits goodies? Oui, tu m'as laissé des goodies, merci. J'ai de la potion de Noël à la maison, je pourrais me remettre. Non, tu m'as... c'est que ça comme goodies. Oh, c'est nul. Allez, montre-moi tes des souvenirs. Vas-y, on va voir tes souvenirs. Plonge le bec de J'ai hâte d'entendre Nifleur. Isidora nous conter ses voyages. Mmh. Entrez donc. Mmh. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père, voici mes collègues de Poudlard. Anciennement, ses professeurs aussi. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais.
Merci. Bizarre, ça ressemble beaucoup à la magie qu'utilise Rakudé. J'adore son masque. Aïe, il est énorme. Allez, on quitte l'épreuve et après on se laissera là. Pour cet épisode, je looterai la salle sur demande plus tard. Il me parlait à Percival. Vous êtes de retour. Ouais, ah, mais... formidable, vous revoilà. Et en un seul... Ouais, mais tu sais quoi, je peux pas me téléporter. Bon, ben, si, je suis obligé de te parler. Mais bon, ça a pas duré 3 heures. C'est bon de vous revoir. Le Merci. Professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. Oh, ça a été, on a tout tapé. Difficile dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Ça me fait marrer. C'était quoi, ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine ? Je savais pas qui je suis, hein ? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Eh ben, je suis prête. Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niam Fitzgerald. Mm-hmm. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. Sinon, je vais bien. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement bien, si tout est en ordre. Bien décrit, Black. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Et vous savez qui je suis ? Mmh. Là, je peux me téléporter ? Toujours pas. Bon, oh, bah, pendant un fig. Hein. Je sais. Je dois continuer. Je sais, vous savez pas qui je suis. Vous apprenez vite. Je suis masqué. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Ah, c'est bon ? Je me téléporte ? Ah, ben non, mais je me téléporte. Ah, oui, d'accord, c'est l'hiver. Ah, bah, ça tombe bien. C'est la bonne saison. Enfin, du moins pour moi, qui tourne, parce que je sais pas, cet épisode, si il arrivera aux alentours de Noël, peut-être après, vers Nouvel An. Bah, c'est l'hiver, quoi. Il sortira dans 3 semaines, donc oui. Enfin, pour moi. Parce que quand le jour où je vous dis ça, enfin, le jour où vous entendez ça, c'est qu'il est sorti. Allez, hop, du coup, on va retourner à la salle sur demande. Et on va se laisser là, l'épisode est déjà bien assez long. Et on verra du coup ce qu'on a à faire la prochaine fois. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, des bisous à tous.